Eh bien, salut les amis, c'est Kermado et on se retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau jeu Nintendo Switch super mignon qui s'appelle Snake Pass. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous savez, sur la Nintendo Switch, il y a des très bons jeux qui sortent que sur l'eShop, que vous pouvez acheter donc sur le magasin électronique, je sais pas comment on dit, bref, sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et celui-ci, c'est un jeu qui avait l'air super sympa. Quand j'ai vu les présentations, je me suis dit que ça avait l'air trop cool. C'est un espèce de jeu de plateforme puzzle où on collecte plein de trucs, genre comme les jeux Nintendo 64 de la bonne époque, genre Banjo-Kazooie, etc. J'ai l'impression que ça revient à la mode cette année, avec bientôt Yooka-Laylee, peut-être A Hat in Time, bref, on verra ça quand je les ferai sur ma chaîne. Mais en attendant, eh bien voilà, on va partir pour ce jeu. Sachez juste un truc avant qu'on commence, le jeu coûte 20€. Il est disponible sur l'eShop de toutes les régions. Vous êtes en Amérique, au Japon, en France, vous pouvez le télécharger. Et sachez aussi que les musiques du jeu sont faites par David Wise. Ça, c'est l'un des arguments qui m'a donné envie d'acheter le jeu. Parce que vous savez ce qu'il a fait aussi d'autres comme musique David Wise? Il a fait quasiment tous les Donkey Kong. Donkey Kong Country 1, 2, le 3 en partie. Il a pas fait Returns, mais il a fait les musiques de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et ça, c'était juste génial. C'est un artiste accompli déjà. Vous entendez ça, cette ambiance? C'est bien du David Wise. Allez les amis, j'espère que vous êtes prêts. On commence. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit à peine visible. Bon bah il est à peine visible on va dire, je sais pas chez vous mais... D'accord, c'est stylé, le menu est cool. Oh c'est trop mignon! Qu'est-ce qu'on peut changer dans les options? Ouais c'est les commandes, bah, on découvrira ça, tout ça en vidéo. Allez, nouvelle partie. Ouais bah premier monde hein. Voyons voir s'il y a une cinématique, je ne sais pas, je découvre le jeu là, je découvre avec vous. Appuie sur attraper queue pour que Doodle soulève la queue de Noodle. Debout! Ah, il n'y a pas de doublage, bon, je vais vous les lire. Noodle, on a un problème! Le portail est brisé! Si on ne le répare pas, on sera coincé ici pour toujours! Allez! Alors, ok, d'accord, c'est bon les amis, le jeu commence, c'est super mignon! Attendez, par contre, c'est pas facile, comment on avance? Il appuyait sur ZR, c'est lequel? Ok, d'accord, donc on avance en appuyant sur l'une des gâchettes, hein. Et après on se dirige, donc en fait la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait on peut pas sauter, alors que c'est un jeu de plateforme, parce qu'en fait on doit apprendre à se déplacer comme un serpent. Alors je me suis bloqué, comme ça le jeu commence très bien. Comment on fait pour... D'accord, ok. En tout cas le jeu a l'air ultra mignon, j'adore les persos, j'adore les graphismes, j'adore l'univers. Bon allez on y va, il peut pas aller tout droit là. C'est pas facile à diriger par contre. Ah, attendez je comprends. Donc on doit récupérer ces trucs là. En tout cas les amis, je compte sûrement faire une série sur ce jeu sur la chaîne. Donc si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Ah mais c'est stylé parce qu'en fait le serpent il va plus vite quand on va en mode comme ça. Gagne de la vitesse en rampant à gauche et à droite. Bah c'est ça en fait. Donc en rampant gauche à droite, on va plus vite. D'accord. Bah, comme un vrai serpent en fait, non? J'en sais rien. Ah ouais, et on accélère grandement en fait. Bon, par contre, je pense qu'il faut pas aller dans l'herbe. L'herbe, ça a l'air de ralentir. Oh non, moi je veux le machin bleu. Lève la tête en maintenant. Ah ouais, on va faire ça, t'inquiète. Mais... Il veut plus faire demi-tour? Ah si, ok, d'accord. Ouh, les contrôles sont pas simples. C'est pas simple du tout. En fait, je pense que on va finir par s'y habituer, mais pour le début, c'est pas simple. Mais c'est cool, c'est marrant de voir. En fait, ouais, le bouton A, c'est presque un bouton de saut, en fait. Effectivement, je comprends ce qu'ils disent, on saute pas vraiment. Mais ouais, ça fait un peu la même chose, en fait. What? J'adore la physique du serpent. Genre, il a l'air tout ramollo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque une pierre clé sur le portail! C'est un peu embêtant, ça, non? On doit retrouver la pierre clé. Bah, elle est juste ici. Tu rigoles? Et vous allez me dire que l'oiseau, il est pas capable de la prendre lui-même, la clé? Apparemment. Oh, c'était quoi ce bruit là? Alors récupérons aussi la petite pierre qu'il y a là-bas. Je sais pas ce qui se passe quand on récupère toutes les pierres, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des pierres, mais bon, je les ai toutes et il s'est rien passé. Non, il est bloqué. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il y a un truc là-bas. Non, remonte. Waouh.
C'est chaud. Comment on fait pour passer sur ce genre de truc? Je pense qu'il faut s'enrouler autour. Et c'est pas simple. Wow, c'est pas simple du tout. Ah là 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 là, je n'ai pas encore... On peut le faire plus grand, enfin plus long ce serpent. Je pense que ce serait plus simple si le serpent était plus long. Ah, c'est parce qu'il y a un trou ici. D'accord. Attendez, non, 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 non. What? J'ai eu une pierre jaune. Je ne sais pas ce que ça fait, mais j'ai eu une pierre jaune. Cool. Ah, je ne vois rien. Ok, récupérons ça. Et l'oiseau, il sert à quoi, là, à part nous dire bonjour, je sais pas quoi, là, on a besoin de toi. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, il nous aide quand même, l'oiseau. Il est pas si inutile. Donc maintenant, on peut aller dans le portail. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. Bon, pour le moment, c'est un peu les... Enfin, c'est les niveaux de début du jeu, quoi. Il y a rien de... What? On peut monter? Ah, d'accord, on se téléporte. Là, vous allez me dire qu'il y avait vraiment 5... Il y avait 5 trucs dorés sur le niveau? Je n'ai vu aucun. Enfin, j'en ai vu un, quoi. Parcours paradisiaque dans le royaume de Boldor. Mais écoutez, continuons. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, hein. Enclos d'escalade, allez, c'est parti. En tout cas, pour le moment, je suis assez... Disons, surpris. Les contrôles sont plutôt bizarres, mais c'est cool. Disons que ça change beaucoup de la plateforme qu'on a l'habitude de voir. J'ai hâte surtout de découvrir ce qu'ils vont nous proposer, en fait, dans le jeu. Quelque chose cloche ici. Qu'est-ce qui cloche? On devrait s'assurer que le portail n'est pas menacé. D'accord, allons-y. Je l'adore, ce petit oiseau. Attendez, mais y a pas de truc doré dans le coin, là? Attendez. Ouais, non, non, non. Bon, j'imagine, hein. J'imagine que si on tombe, on meurt. Ça paraît assez logique. Attendez, y a l'air d'avoir un truc en bas, là. Attendez. On peut aller, là? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que oui, mais j'ai peur, en fait. Ouais, non, on va dire qu'on peut pas, hein. On va dire qu'on peut pas. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc où on pouvait aller, mais non. Allez, monte. Super. Il y en a le même nombre ou pas? Je ne sais pas. Alors ça, faut s'enrouler. Ouais, ça va, c'était pas si compliqué celui-là. Comment on va monter là-bas? Vous allez me dire qu'il faut monter avec ça? Peut-être. Ouais, là on peut monter tout. C'est trop drôle les mouvements qu'il fait. Mais on dirait un vrai serpent presque. Enfin, sauf qu'il a l'air gentil et un serpent, en vrai, ça fait peur. Moi, j'aime pas les serpents. Mais celui-là, non, ça va, il a l'air mignon. Parce que vous savez, qu'en Thaïlande, il y en a beaucoup des serpents, faut faire attention. Hein. Non, j'ai pas failli me faire tuer par un serpent, hein, jamais. On dirait qu'il faut qu'on grimpe là-haut. Ok. Enroule-toi sur le bambou pour te hisser. Merci. Ben, on va essayer de faire ça, petit Noodle. Doodle. Ah, c'est nous, Noodle, je crois. Et lui, c'est Doodle. Ok. Bon. Au début, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est plutôt simple. Allez. Vas-y. Super. Mais il devient ultra rapide quand il ramasse les trucs bleus, j'ai l'impression. Par contre, on peut monter. Hein. On peut pas se servir de l'oiseau. Je croyais avoir compris qu'on pouvait se servir de l'oiseau. Je croyais qu'il pouvait nous faire monter ou un truc comme ça. Finalement, peut-être pas. Allez. Monte. Alors là, déjà, il y a plein de trucs, mais ça, je pense qu'on va y aller après. Ce que je veux voir, c'est déjà... Ah, il y a un truc, là. Qu'est-ce que tu fais, petit serpent, là? Vas-y, avance. Allez. Oh, j'ai failli tomber. Alors, comment on fait pour avoir un truc comme ça? Oh, il faut tourner autour. Vas-y. Mais il veut pas. C'est bon. C'était un peu compliqué, hein. On a un peu galéré. Allez. Ouais. Non, 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 non. Ah, pourquoi je suis ici, là? Non, 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 demi-tour. Non, 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 ne tombe pas, ne tombe pas. C'est vraiment pas facile à contrôler, ce truc. Mais c'est ça qui est drôle. Est-ce qu'on va essayer de s'enrouler? Ouais, on va essayer de s'enrouler autour de ça. Ensuite, on va essayer de s'enrouler autour de ça. En fait, il faut y aller tranquillement. Mince. Si on va trop vite, comme je viens de le faire, en fait, eh ben, ça ne marche pas. Il me semblait qu'on pouvait se faire aider par... Il est bloqué, là. Ah ouais, il est carrément bloqué, hein. Il est carrément bloqué. Ah, sors de là. Ah ouais, non, il est carrément bloqué, là. Ok, c'est bon. Ouf. Oh, il y a un truc en bas, là.
Un secret que j'arrivais pas à prendre. Il se mordait la queue là. Mais c'est marrant à diriger. Je veux dire, même si c'est galère, c'est marrant. Bon, on va essayer de revenir dans le passage là. Allez, plus vite. Oh, là-bas, j'ai vu un truc doré. Ouais, je l'ai vu. On ira plus tard. Allez, viens ici. Ah, oh, mais faut passer par là, en fait. Moi, j'ai sauté une étape. Moi, j'ai sauté une étape. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vas-y, avance! Faut aller par là-bas. Donc, alors, on va s'enrouler. Comme ça, ensuite. Non, 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 non. Par contre, il est très sensible, j'ai l'impression. Alors oui, j'ai oublié de le préciser, mais ce jeu, il est disponible sur Nintendo Switch, il est disponible sur PlayStation, il est disponible sur Xbox, et il est disponible sur PC. Donc voilà, si vous avez qu'une seule de ces consoles, eh bien, vous pourrez quand même avoir le jeu. Non, non, non! Wow, il a fait une tête un peu genre en mode, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Comment ça, appuie sur Y si tu veux que je te transporte, moi je veux bien. Oh, il peut nous aider! D'accord, je me disais bien. T'aurais pu me le dire avant quand même. Lâche-moi maintenant. Parce que c'est pas là que j'ai besoin de ton aide. Vas-y, aide-moi. Ah. En fait, non, il faut qu'il m'aide quand on est en hauteur. Si on est en bas, il m'aide pas trop. Je galère pour avoir juste un petit bonus. Enfin, un petit bonus, j'en sais rien, c'est des petits bonus ou pas. Vas-y. Non, j'essaye de tricher, mais. Et voilà! Allez, oui, c'est bon! Donc on a un truc doré ici. Alors là, il n'y a pas un endroit où on pourrait aller. Lâche-moi. Donc là, il y a le machin jaune. Écoutez, on va descendre. Ouais, il y a du vide, mais il est loin. Oh! Il peut avoir des dégâts ou pas? J'ai l'impression qu'il pouvait recevoir des dégâts là. Il a l'air de s'être fait mal. Désolé. Désolé à toi, Noodle. Non, non, non! Attendez, ah, on réapparaît au point de sauvegarde. C'est où le point de sauvegarde? C'est ici. Et c'est-à-dire que le truc que j'avais récupéré en hauteur, je ne l'ai plus récupéré. Oh non! Les pierres clés de ce portail ont toutes disparu! Bon, bah, va falloir les récupérer, hein, j'ai vu. Ouais, la jaune, je l'ai vue. Il faut qu'on retrouve les trois pierres clés. Bah, ok, elles sont pas si difficiles. C'est aussi un doré, ça? On va essayer de tous les récupérer, mais je crois que j'ai perdu celui que j'avais récupéré. Hein. Ça paraîtrait à peu près logique. On peut pas voir en hauteur. Oh, on peut aller dans l'eau ou pas? Ouais, un serpent, ça peut aller dans l'eau. Hein. Ouais, ça change pas grand-chose quand on est dans l'eau. Le gameplay est pareil. Bon, essayons de monter. J'ai l'impression quand même que dans l'eau, on n'a pas la même inertie. Non. Je vais trop vite. Je vais trop vite. J'ai pas le temps de faire le tour avec le serpent. Allez. Vas-y. On peut changer la caméra ou quoi? Parce que j'aimerais bien voir si le truc en fait il est toujours là ou pas, parce que ça se trouve je remonte pour rien. Non, à mon avis, les trucs qu'on récupère, on les perd quand on meurt. Ça paraîtrait à peu près logique. Ah, il glisse en même temps, regardez-le là. Regardez sa peau, elle brille. C'est à peu près normal, il doit être tout gluant. Je sais pas, mais un serpent c'est tout gluant, non? Je crois. Enfin, je sais pas si on dit gluant, mais c'est visqueux. C'est visqueux. Non, parce que j'avais un ami quand j'étais en primaire qui avait des serpents. Genre dans un vivarium et tout. Et il les avait sortis et on les avait passés autour de notre cou et tout. Mais ça va, c'était des gentils serpents. Bah, je sais pas si ça existe des gentils serpents, mais en tout cas c'était des serpents qui étaient pas venimeux. Et comme il avait déjà mangé le serpent, et ben voilà, il nous attaque plus quand. Ça attaque pas les gens quand ça a déjà mangé un serpent. Allez. Le truc est plus là aussi? Non, sérieusement, il est plus là-haut, d'accord. J'allais remonter pour rien. Bon, allez, on y va! Ouah! Mais il y avait. Oh, il y a plein de trucs là que j'ai pas récupéré. Allez, vas-y. Bon, par contre, j'ai un peu peur quand même. Là, pour le moment, je vous ai dit, hein, j'aime bien le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Mais j'ai peur que ça finisse par devenir quand même un peu répétitif. Dans le sens où j'ai l'impression que. Bah, au niveau de la plateforme, c'est un peu toujours la même chose qu'on a. Genre, on a pour le moment un peu toujours ces bambous, mais après, vous allez me dire, on est dans le premier monde. C'est un peu normal que dans le premier monde, tout soit un peu bah, basique, quoi. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Enfin, nouveautés, qu'est-ce que je raconte? Il peut y avoir de nouveautés. Enfin, tout est nouveau pour le moment. Ok.
Ok, très bien. Enroule-toi autour et grimpe. Merci, Doodle, mais je sais comment ça marche. Hein. Je viens de le faire pour un truc un peu plus difficile à avoir. Allez. Ok. What? C'est bon. On dirait une des pierres clés disparue. Ah bon? Ah bon, on dirait seulement. Moi, j'en étais à peu près sûr, mais si tu veux. Utilise ZL pour t'agripper et t'enrouler autour, comme ça. Comment ça, il y a un bouton pour s'enrouler et s'agripper? Attendez, mais ça fait rien ce bouton ZL. What? Qu'est-ce que ça fait ZL? Il est bizarre ce serpent. Ah, c'est pour aller plus lentement ZL, non? J'ai pas compris. Je sais pas ce que ça fait ZL. Je ne comprends pas. Ça fait un truc. Mais je ne sais pas quoi. Alors, il n'y a pas de truc bleu là-haut? Non? Par contre, j'ai du mal à voir les endroits où on peut aller et les endroits qui sont du décor. Je dis ça par rapport aux trucs à récupérer. Aux sphères bleues. Oh, il va vite dans l'eau en fait. Enfin, non, il va peut-être vite partout. C'est juste qu'il faut réussir à avoir de l'accélération. Mais j'ai vraiment l'impression de contrôler un serpent, quoi. Bah, vous allez me dire, bah oui, mais Kirbano, t'es en train de contrôler un serpent. Non, mais je veux dire. Il y a plein de jeux quand on joue. Enfin, quand par exemple on joue à Banjo-Kazooie, j'ai pas l'impression de contrôler un ours, quoi. Il est sur deux pattes, enfin, comme un ours, oui. Non, mais j'ai l'impression de contrôler un gars normal, quoi. Comme par exemple quand je joue avec Todd dans Mario, j'ai pas l'impression de contrôler un champignon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, par contre, j'ai vraiment l'impression, au niveau du gameplay et tout, c'est ultra cohérent. Je me sens comme un serpent, quoi. C'est cool. Bon, qu'est-ce qui s'est encore bloqué là? Par contre, ce serpent, il arrive tout le temps à se bloquer. Comment faire pour monter ici? Ça, c'est ce que je me demande. Là, j'ai vu qu'il y a des petites marches, mais... Ah ouais, si. On peut se servir des petites marches. Vas-y. Monte. Ah, mais il peut m'aider, l'autre, là, non? Avec Y. Enfin, il a l'air d'être moyen. Ah, voilà, c'est bon. Ok, donc j'en ai eu que deux, et il y en a tant que ça dans les niveaux. Ah, bah, fallait passer par là, ok. Affermis ta prise avec ZL quand tu t'enroules. Si tu veux. Si tu veux. Allez. Ils forment un bon duo tous les deux, hein. Ils sont trop mignons. Ah, donc j'ai toutes les pierres comme ça. Par contre, moi j'ai pas les machins bleus. Rendons-nous vite au portail pour voir où il nous mène. Bah, il va nous mener au niveau prochain, je pense. Bon bah tant pis. Les pierres bleues, on va les ignorer. Je sais pas où elles sont. Ah, mais attendez, on peut monter tout là-haut là. What? J'étais à l'intérieur du serpent. On peut monter tout là-haut? Ah, mais j'y suis déjà monté. Moi tant pis, tant pis. C'est pas grave, de toute façon, je pense que je referai le niveau pour essayer d'avoir du 100% plus tard. Et donc, le jeu sur Switch, il peut se jouer en mode tablette et en mode télé. Hein. Donc, vous pouvez y jouer n'importe où. Et avec, après, toutes les manettes que je connais. Alors, tu nous ouvres ce portail, super. Bon. Et je me demande s'il va y avoir d'autres environnements, parce que pour le moment, il n'y a que de la jungle. Mais pourquoi? Je m'en plains pas, en fait, parce que genre c'est que le début du jeu. Donc, c'est totalement normal, au début du jeu, d'avoir que peu de trucs, quoi. Waouh. D'accord, ok. Ouais, c'est... Il me manquait qu'une. Ah, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir où elle est. Donc, gazon des gardiens. Ah, il nous indique bien tous les trucs qu'on a eu et tout. Ok, cool. Utiliser les touches directionnelles pour changer les expressions faciales de Noodle. Waouh. Ça ne sert à rien, mais ça a l'air trop cool. Ça ne sert à rien, mais ça a l'air trop cool. Allons-y. Noodle. Oui, bon, là, c'est la cinématique, encore. Eh bien, nous revoilà. Nous revoilà où? Soleil chaleureux? Parfait. Brise agréable? Parfait. Ils sont trop mignons, tous les deux. Des oiseaux qui chantent? Ah! Ah ouais, non. Ça se passe moyen comme ça, en fait. Il y a un gros méchant. C'était... Quoi? Ça? Quoi que c'était? Ça a enlevé toutes les pierres clés, refermé le portail. Il faut les rouvrir. Il faut le rouvrir. Bon, allez, regarde-moi, Noodle, voyons voir. Alors. D'accord, on peut le faire bâiller. What? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il a l'air peur, il a l'air terrorisé. Et là, d'accord, là il a l'air un peu genre en mode, ouais, j'en ai rien à faire. Ah, là, il a l'air méchant. Il a l'air méchant, allez. Allons-y. C'est parti. Attendez, y a pas un truc là-bas? J'ai vu un truc là. C'est quoi ça? Ah, c'est une déco. Ok. J'ai cru que c'était un passage, je ne sais quoi, mais c'est une déco.
Il va falloir que j'apprenne à raffermir ma prise, comme il le dit à un moment. Moi, je ne sais toujours pas comment ça fonctionne. En tout cas, la nature, enfin, il y a beaucoup de nature dans ce jeu, c'est cool. J'avais peur quand je voyais les mondes que ce soit un peu vide. Parce que bah, c'est quand même un studio indépendant qui a fait le truc, c'est pas un budget de jeu Nintendo, donc le jeu, enfin, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait quelques trucs qui soient un peu malheureusement pas super bien faits. Finalement, non, pour le moment, tout est cool, je trouve, les graphismes sont vraiment cool, les musiques, alors ça on en parle même pas, elles sont géniales. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup par contre, mais bon, elles sont super. Et juste le gameplay, quoi. C'est génial. Waouh. Oh, il y en a une autre là. Super. Je sais pas ce que ça fait quand on les a toutes dans un niveau, mais j'aimerais bien les avoir toutes à un moment. Enfin, on a déjà eu tous les trucs bleus et ça n'a rien fait, donc faut pas attendre à grand chose, je pense. Peut-être qu'on débloque un nouveau niveau si on finit tout le jeu avec. Enfin, si on finit le jeu avec tous les trucs. Ou peut-être un nouveau perso jouable, j'en sais rien. Je suppose. Ou des nouvelles couleurs pour le serpent. Je suppose, je suis en plein délire. Allez. Vas-y, monte. Ce qui est bien aussi, c'est les bruits qu'il fait le serpent. Parce que quand il est en train de galérer, ça s'entend. Enfin, il nous le montre, en fait. Et donc, comme il nous le montre... Allez. Ok. Donc, comme il nous le montre qu'il est en train de galérer, en fait, eh ben, ça rend le truc plus... Pas plus simple, mais disons que ça nous éclaire. Genre, si à un moment on essaye d'atteindre une zone et que d'un coup il commence à tomber, là, le fait qu'il crie un petit peu, ça, voilà, ça fait qu'on sait « Ah mince, là faut que je fasse attention, là faut que je le redresse. » N'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi ce que vous pensez du jeu, si le jeu vous plaît, si vous pensez vous le prendre. Pour le moment, il n'y a pas énormément de jeux sur Wii U. Non, sur Wii U, sur Switch, oui, il n'y a pas énormément de jeux sur Wii U, mais ça, ça ne changera jamais maintenant. Mais non, il n'y a pas énormément de jeux sur Switch. Et je trouve que c'est vraiment un petit jeu à avoir, surtout qu'il coûte que 20€, donc c'est plutôt cool. Allez, vas-y, monte. Arrête de me dire de resserrer ma prise, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, si, je comprends ce que ça veut dire, mais en fait, comme jusqu'à maintenant, j'y arrive très bien. Sans le faire. Ah, si, je sais à quoi. Non, je sais pas à quoi. Ah, c'est pour qu'en fait, ils se mettent plus proches des trucs. D'accord, j'ai compris maintenant. Genre, ils se collent au truc, donc c'est plus difficile en fait de louper, de grimper quand on est en train de resserrer notre prise. Ok, je comprends. Merci à toi. Alors là, par contre, je sais pas si on va prendre le toboggan parce que j'ai vu qu'il y avait un truc. On va prendre le toboggan quand même parce que. Alors, on va prendre le toboggan. Puis après, on va revenir ici. Stylé. Ok, allez, monte. Je suis sûr qu'il y a. Mais c'est quoi ces trucs rouges là? Je suis sûr que ces motifs là, c'est quelque chose. En plus, non? Je suis sûr que c'est un truc. Ça fait rien, mais je suis sûr que c'est un truc. Ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs comme ça juste pour faire joli quoi. Enfin, y a pas ça dans un jeu vidéo normalement. On fait pas des trucs juste pour faire joli. Enfin, si, ça arrive, mais. Un signe comme ça, moi je crois pas que ce soit que pour faire joli. Hein. Bon, alors là il y a le vert, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux voir le truc doré. Parce que je pense qu'il y a moyen dans ce niveau que j'ai le truc doré. Allez, vas-y, comment on fait pour y aller là-bas? T'es où là? Ok, super. Enfin, j'ai dit violet, non? Alors que c'est un truc vert. Super. Bon, on a réussi le portail, c'est bien, moi je veux le truc jaune qui est là, ici. Vas-y, monte. Noodle. Et y a pas d'ennemis par contre? On aura peut-être plus tard. On aura peut-être plus tard. Voilà comment on va faire pour l'avoir ce truc là. Oh! Ok. Va falloir monter. Puis se laisser tomber d'en haut. En prenant de. Oh, ok, en prenant de l'élan peut-être. Ah, déjà il y a un truc bleu ici. Oh, il y en a un autre ici aussi. On va d'abord... Non, on va pas d'abord récupérer lui. Il va s'en occuper après. Allez, mon... Et où est le dernier truc jaune? Super. Wow, il est tombé, le pauvre. Ok, donc c'était ici qu'il y en avait un. Mais alors, moi, je me demande pour les médailles. Il me semble aussi qu'en haut, il y en avait un autre. Une autre sphère bleue. Ouais, juste ici.
dit, on va aller en hauteur et on va voir d'en haut si on trouve eh bien un indice, si on le voit au loin, je n'en sais rien. Alors, regardons. J'ai pas l'impression de le voir. Tant pis. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Surtout que c'est pas la seule chose qui nous manque. Bon, allons voir à la fin, ça se trouve, c'est juste à la fin. Bon, il a l'air de rien avoir à la fin, mais on va voir. ça me fait mal pour lui. Une tête derrière, genre à la fin derrière, dans le vide. Oui, je sais, ça s'ouvre. Merci à toi, Doodle. Bon, Doodle, il sert quand même pas à grand chose, hein. C'est un oiseau quand même, il pourrait voler, aller récupérer tous les trucs pour nous. Ce serait gentil. Allez, oh. Alors, ah, il m'en manque encore qu'une quoi. C'est une malédiction avec moi. Il m'en manque qu'une seule à chaque fois. Je me disais qu'il y en avait peut-être sur les côtés, mais j'ai l'impression que c'est pas leur style dans ce jeu de cacher des trucs sur les côtés comme ça. Il y a plein de jeux qui le font, mais eux, ils ont pas l'air d'avoir envie. Bah écoutez, tant pis, allez, on s'en va. À mon avis, ça doit être à l'intérieur, il doit y avoir un moyen de rentrer là. Ou alors peut-être derrière le truc rouge, vous savez, j'ai dit qu'il y avait un truc rouge bizarre. Allez, vas-y, monte. Bah. Ok, d'accord, ça buguait, ça voulait pas me transporter. Enfin, c'est cool. Alors, gazon des gardiens, ok, là je sais qu'il m'en manque un. Ouais, et là aussi il manque un. Dommage, bel enroulement. Eh bien, écoutez les amis, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser plein de pouces bleus. Si vous voulez qu'on fasse la suite, n'hésitez pas à lire dans les commentaires. Eh bien, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut !